comme aurait fait tout un chacun. Il a peut-être même fait des copies. C'est peut-être ce qui était dans ce fameux tiroir qu'il a demandé à Marie Desnarnauds de détruire après sa mort, puisqu'elle a brûlé des papiers après la mort de Saunière. Il en a pris connaissance. Et on voit très bien, vous savez, quand on le suit. Moi, je l'ai suivi un peu pas à pas. Non seulement j'habitais dans sa maison, mais je me suis imbibé du personnage, de ses écrits, de ses lettres. On a des brouillons, c'est sur un même sujet, il faisait trois lettres différentes. Il défendait son point de vue de différentes manières, il tenait un journal. Et on se rend très bien compte qu'à partir du moment où il semble qu'il ait trouvé quelque chose, son attitude change. C'est un homme qui, de jovial, devient renfermé, devient méfiant, ne fréquente plus les gens du village et vit dans sa villa, derrière les volets fermés. Donc il a trouvé quelque chose, il a promis le secret, en échange on l'a payé. Le secret, il le tient, il ne le révèle pas, mais en même temps, dans ses constructions, dans la décoration de l'église, dans la construction du domaine, il y a tellement de coïncidences, de choses bizarres et curieuses, qu'on a l'impression qu'il essaye, par-delà la mort, désespérément de faire comprendre quelque chose à ceux qui sont capables de comprendre ou qui sont capables d'assumer la nouvelle. Si c'était quelque chose de déstabilisant pour l'église, une version légèrement différente de celle qui nous a toujours été présentée. C'est un prêtre de conviction qui tombe dessus. Béranger Saunière était un prêtre qui avait la vocation. Mettez-vous à sa place. Il se dit, qu'est-ce que je fais ? Au nom de la vérité, je révèle ça et je déstabilise la foi, les croyances de millions de gens, de petites gens pour qui cette religion est le seul secours dans la vie. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Une intime conviction que René Château est lié à un secret beaucoup plus gros, qui en soi finalement ne serait pas dramatique dans notre 21e siècle, mais qui bouleverserait comme les esprits, parce que peut-être que ça ferait prendre en compte des mensonges que nous avons eus depuis 2000 ans. C'est quelque chose de difficile, parce que finalement on était peut-être très 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 loin de la religion que Jésus voulait prêcher, et que Saunière a peut-être trouvé la religion de Jésus, peut-être pas celle de l'Église de Rome. Thank you.
really wish I had the luxury of absolute unquestioning faith. I do not, and I am still searching. I wrote this novel as part of my own spiritual quest. I never imagined a novel could become so controversial. I'm aware there are those out there, more aware now that I've read the press in New Hampshire, who disagree with me, who say awful things about me, who make little pictures. And I know that a lot of these people have published long lists of my shortcomings, my errors, my inadequacies. Sadly, I think many of these critics seem to have missed the entire point of the novel. That being this, one simple, undebatable truth. Prior to 2,000 years ago, we lived in a world of gods and goddesses. Today, we live in a world solely of gods. Women in most cultures have been stripped of their spiritual power, and our male-dominated philosophies of absolutism have a long history of violence and bloodshed, which continues to this day. What I've finally come to accept is that science and religion are partners. They're simply two different languages attempting to tell the same story. Both are manifestations of man's quest to understand the divine. While science dwells on the answers, religion savors the questions. When I started researching Da Vinci Code, I really was skeptical, and I expected on some level to disprove all of this history that's unearthed in the books. And after three trips to Paris and a lot of interviews, I became a believer. Da Vinci Code s'inspire de divers ouvrages historiques hétérodoxes. Avant toute chose, il ne faut pas oublier que Da Vinci Code est un roman. Un livre à suspense qui a pour but de vous tenir en haleine. Le lecteur veut savoir ce qui arrive aux personnages. Arriveront-ils au bout de leur quête et quelle sera leur découverte ? Nous remercions sincèrement Dan Brown, car dans son roman, il cite comme référence l'ouvrage que nous avons publié en 1997, La révélation des Templiers. Notre livre a donc largement profité du succès de Da Vinci Code, alors qu'il ne s'agit pas d'un roman, mais d'une recherche très fouillée sur des sujets fondateurs. Malheureusement, Dan Brown a visiblement mal compris certains points qu'il reprend dans les pages de son roman. Mais ça a finalement peu d'importance, car il cite les références de notre livre, et le lecteur peut toujours s'y reporter s'il le souhaite. C'est une excellente chose. Dan Brown a eu la brillante idée de réunir différentes théories dans un thriller moderne. Il y a une chose dont nous sommes certains, l'histoire qu'on a toujours enseignée aux hommes de confession chrétienne est fausse. Même si l'on discréditait toutes les autres versions, celle de l'Église resterait fausse. Voilà pourquoi il existe autant de théories qui s'éloignent des idées orthodoxes. Nous partons tous du même constat. Ce qu'on nous a enseigné depuis 2000 ans est manifestement faux. À nous de découvrir la vérité. Le roman de Dan Brown, Da Vinci Code, connaît un succès phénoménal. Il s'est déjà vendu à plus de 10 millions d'exemplaires et le chiffre ne cesse d'augmenter. C'est véritablement ce qu'on appelle un succès planétaire. Pourtant, jamais un roman n'a soulevé autant de controverses. Une foule de lecteurs prennent fait et cause pour lui, tandis que d'autres le condamnent comme une suite d'hérésies blasphématoires. Où se situe la vérité ? Quel mystère se cache derrière Da Vinci Code ? Y a-t-il seulement un vrai mystère ? Je m'appelle Simon Cox et je suis l'auteur du Code Da Vinci décrypté. Je vous invite à un voyage dans les profondeurs de ce roman. Je souhaite en éclaircir pour vous certaines énigmes, tout en vous présentant les faits historiques sur lesquels repose cette fiction. Les premiers chapitres de Da Vinci Code se déroulent pour la plupart dans le musée du Louvre. En effet, c'est dans la grande galerie que Jacques Saunière est retrouvé assassiné et que Robert Langdon et Sophie Neveu se rencontrent.
Soupçonnés à tort par le commissaire Bézu Fache, ces deux personnages seront contraints de fuir jusqu'en Grande-Bretagne. Au-delà de la fiction, il existe selon nous des preuves que l'Église a voulu dissimuler certains faits. Les uns concernent Jean le Baptiste et son véritable rôle, d'autres sont liés à Marie-Madeleine et à sa relation avec le Christ, qui explique la façon dont l'Église traite les femmes depuis 2000 ans. Par essence, l'orthodoxie ne peut subir que des changements limités. En effet, elle s'est acculée toute seule dans une impasse et s'est enfermée dans une doctrine qu'elle peut difficilement remettre en question. On constate néanmoins que le pape Jean-Paul II s'est efforcé de revenir sur certains points et d'assouplir la doctrine. Il a admis que Marie-Madeleine avait joué un rôle important et il l'a nommée l'apôtre des apôtres. Il a ainsi désavoué les anciens papes qui prétendaient qu'elle était une prostituée et que son rôle se limitait à celui de la pécheresse repentante. Mais les limites que l'orthodoxie s'impose à elle-même ne lui permettent pas d'aller plus loin. Cela reviendrait à un suicide pur et simple. Dans le roman, le corps de Jacques Saunière, conservateur en chef du Louvre, est découvert dans la grande galerie, gisant dans la position de l'homme de Vitruve, tableau célèbre de Léonard de Vinci. D'ordinaire, la plupart des visiteurs du musée traversent la grande galerie au pas de charge, négligeant presque les chefs-d'œuvre qui ornent les murs dans le seul but d'arriver enfin devant la Joconde. Sophie et Robert découvrent la clé d'un coffre d'une banque de dépôt dissimulée derrière une autre toile de Léonard de Vinci, la Vierge au rocher. La Vierge au rocher réunit sous le même nom deux versions d'un même tableau représentant la Vierge Marie flanquée de deux enfants, Jésus et Jean le Baptiste, en compagnie d'un autre personnage identifié comme l'archange Uriel. La toile présente une composition triangulaire dont Marie occupe le sommet. La première version de ce tableau est la plus étonnante, fut commandée par l'église San Francesco Grande de Milan. On y voit la Vierge Marie assise au milieu des rochers avec Jésus et Jean le Baptiste. L'archange Uriel est agenouillé derrière l'enfant que l'on suppose être Jésus. Assis en tailleur à quelque distance de Marie, celui-ci lève la main droite dans un geste de bénédiction destiné à l'autre enfant, tandis que la main gauche de Marie plane au-dessus de sa tête. Légèrement en retrait, Uriel désigne du doigt l'enfant assis à la droite de Marie. Officiellement identifié comme Jean le Baptiste, celui-ci joint les mains en un geste de prière, tandis que Marie pose une main droite protectrice sur son épaule. Si l'on examine le tableau sans a priori, il semble plus probable que l'enfant en prière est Jésus et non Jean le Baptiste, car il est assis plus près de Marie qui semble le protéger de son bras. Situé un peu à l'écart, l'autre enfant paraît quant à lui sous la protection de l'archange Uriel, traditionnellement associé à Jean le Baptiste. C'est la thèse avancée par Clive Prince et Lynn Picknett dans leur ouvrage « La révélation des Templiers ».